Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre au sommet. Explosion d'une baleinière sur le fleuve Congo au port Gafoura dans la commune de Maluku. Le dernier bilan a été réduit à la baisse selon les autorités. Il fait à 8 blessés et 1 mort. Voilà tout pour les titres. D'abord, cette triste nouvelle. La RTNC vient de perdre son directeur des informations en la personne de Guillaume Koukou-Maïngi, qui a tiré sa révérence ce lundi dans la matinée. Pour ceux qui l'ont connu, Guillaume Koukou-Maïngi s'était démarqué à travers ses analyses dans les dossiers de la rédaction et ses éditoriales. Une plume est tombée, une grosse perte pour les journalistes de la RTNC et le monde médiatique. La presse locale salue la mémoire de ce grand nom de la presse congolaise. Le président de la République de la Gambie est arrivé ce lundi à Kinshasa. Adama Barrow est en visite officielle de Kinshasa. Il a eu une séance de travail avec son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengo. La visite du président gambien vient une fois de plus renforcer les relations diplomatiques et bilatérales entre les deux pays. Regardez. Diplomatie agissant en République démocratique du Congo, quelques jours seulement après la tenue à Kinshasa du 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable. Pour la première fois, l'avion transportant Adama Barrow, président de la République de la Gambie, a atterri sur les tables de l'aéroport international de Njili ce lundi 28 février 2022 à 16h15. Le chef d'État gambien est en visite officielle de 48 heures. Il sera question de la coopération diplomatique et relations bilatérales. À la descente de l'avion, il est accueilli par Didier Mandzenga, ministre de l'intégration régionale, suivi de Christian Bouchi-Ongala, conseiller principal du chef d'État au collège diplomatique, et d'autres officiels présents à l'aéroport. Après honneur militaire, le président gambien a passé quelques moments au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili. Son cortège s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempinski Fleuve Congo Hôtel, en attendant la séance de travail en tête à tête avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshombo, ce mardi 1er mars 2022. Je l'ai dit, la scène s'est déroulée hier dimanche au port de Maluku. Une embarcation de fortune qui transportait ses passagers et du carburant a pris feu à quelques dizaines de kilomètres du port de Maluku. Un incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels et humains. Le dernier bilan a été réduit à la baisse selon les autorités qui ont été joints par Louisette Nsakala. Allô. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. La rédaction de la direction des Infos TV a besoin de l'éclairage sur le drame qui s'est produit hier à Maluku, l'incendie du baleinière. Mmh. Quelles informations disposez-vous? Eh bien, je m'en souviens, c'est hier à 13h25 qu'il y a une baleinière qui a pris feu au niveau du pont de la Foire qui s'ouvre à peu près à moins d'un kilomètre de la maison communale de Maluku. Et cette baleinière venait de H. de Borin. J'aimerais écouter et tout le cadre. Je sais que c'est une réaction différente de celle du majouté. Du coup, ça a embrasé ces baleinières-là. Les personnes de sécurité proches ont repoussé ça s'entraîne. Et le détournement, c'est pas le diable. Malheureusement, lors du transport au niveau de Kibomo, il y en a un qui a. Donc maintenant, il y en a 8 qui sont soignés au niveau du Kibomo. Précisément, il y a eu une rectification. C'était actif et de manière active et aussi précise, donc il n'y a pas de décès. Et après la personne que je vous ai citée, qui est mort lors du transport,
pas fait attendre, parce que je veux dire, c'est pour le moment, c'est encore un rapport temporaire. En train d'établir des responsabilités, parce que c'est comme des responsabilités doivent être établies avec des sanctions. Mais toutes les personnes qui œuvrent, notamment que ce soit dans le transport, quel que soit le type de transport, doivent avoir des assurances, doivent avoir des polices d'incendie, tout ça. Et en cas de sinistre, c'est eux qui interviennent directement parce qu'ils sont assurés pour prendre en charge les victimes. Donc il faut avoir des responsabilités qui sont établies avec des fortes sanctions. Comme nous avons commencé au niveau du port Ouélé, au niveau de militaire, nous avons accéléré ce processus et prendre des choses à combien, des choses à soutien, monsieur le gouverneur. Donc voilà, c'est ce qui nous a, je veux dire, commencé. Nous avons accéléré cela, malheureusement, encore avec ce drame en plus et en trop. Ok, d'un moment à l'autre, notre rédaction va recourir à vous pour plus de détails sur cette situation. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie, madame. Toutes nos excuses pour ces images fortes. Et puis la population de la ville de Matadi salue l'exécution des différents travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures routières urbaines dans la ville portuaire du Congo central, qui appelle le pouvoir central et ses différents services pour épauler la mairie dans la réhabilitation du Koto-Kwandi vers le mont Kasso. Un reportage Pierrot. Une de fierté infrastructurelle de la population matadienne en général est celle de la commune de Mvouzi en particulier. Les célèbres ponts Kodongwadi, juste sur la rivière Kipoto, à quelques encablures, Ista Patrice Mérine Lumumba, ce pont qui relie les deux versants de la route Kassou, en plein travaux de réhabilitation, a subi au fil du temps un délabrement très avancé et est victime d'un affaissement dû à sa vétusté. Ce, en dépit de son caractère hautement historique. Quand je connais la ville de Matadi vers les années 70, la commune de Mvouzi n'existe pas et Kinkanda n'était qu'une forêt remplie d'animaux. J'ai appris que ce pont était construit en bois à un commerçant nommé Kotumba. Il a bénéficié de son paiement grâce au fait de Maréchal Mobutu lors d'un meeting pour la révolution au stade Lumumba. Ce pont d'une capacité de près de 10 tonnes avec 8 mètres de longueur, 4 de largeur, les passages piétons de chacun de chaque côté méritent sa mise à niveau aux normes et standards internationaux à la matière, grâce aux travaux de sa modernisation. Travaux qui vont booster les vrais désenclavements et la meilleure visibilité de la route Kassou. Telle est l'essence du plaidoyer de nos compatriotes de cette partie du pays à travers ces SOS et cet appel au secours. Nous sommes arrivés à la fin. C'est pour nécessiter de voir sa réhabilitation, sinon ça sera un coup de pédale. Le maire de la ville est en train d'exécuter beaucoup de travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi. Mais nous souhaitons que le fils de voirie de drainage VD vienne réhabiliter ces ponts pour donner un cadre. Le 17 du Mouamba revêt sa robe. Des travaux d'assainissement ont été lancés par la Fondation Nzela et Ngolo avec l'appui de l'élu de Mouamba, Jean Baudouin Maillot. Un reportage de Cédric Nina. Salongo Nord, dans le district de Mouamba. De l'insalubrité à la salubrité, l'écurage des canalisations, la construction. L'initiative a reçu un écho favorable de l'élu de Mouamba, Jean Baudouin Maillot Mambeke. Et c'est la fondation Nzele Angolo-Émile qui est à manœuvre pour manifester leur adhésion à ces actions. La population de ces coins de la capitale était en nombre derrière la caravane motorisée qui avait comme point de chute les lieux de travaux. S'en est suivi la coupure biberon symbolique par Jean Baudouin Maillot Mambeke. Est-ce que vous faites encore face aux eaux usées? Est-ce qu'il y a encore des odeurs? Nous disons toujours, les gens, ils doivent vraiment faire tout pour entretenir tout ce qui a été fait, parce que vous savez, il y a eu vraiment de bons moyens qui ont été mis en jeu. Et maintenant, il faudrait vraiment les sensibiliser à bien se comporter, à ne pas jeter des débris partout, à vraiment tenir compte de l'hygiène. Et comme ça, on va vraiment conserver bien notre collecteur qui a été rénové. Un appel pour plus de civisme.
Le ministre provincial quinois des Finances et Économie a sensibilisé la population de la Tchango sur le soutien du projet Kinshasa-Bopeto initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobila. Jean Goy invite la population de la Tchango à plus d'unité pour le développement et la sécurisation de leur district, surtout face à la résurgence du phénomène Kuluna. Un reportage de Willy Atunakov. C'est dans un stade municipal de Massina, à Kinshasa, plein à craquer, que l'élu de cette municipalité, Jean Goy Mvunzi, ministre provincial en charge des finances et de l'économie, affectueusement appelé Likopia Tchangou, a sensibilisé dimanche 27 février 2022 sa base naturelle de Tchangou au soutien aux actions du projet Kinshasa-Bopeto, initié par le gouverneur Jean-Pierre Mbaka à l'unité pour le développement et à l'éradication de l'insécurité grandissante, communément appelé phénomène Kuluna. Dans son meeting en Lingala, langue quinoise et quinois, Jean Goy Mvunzi s'est exprimé en ces termes. Nous remercions d'abord Dieu Tout-Puissant qui a permis cette rencontre, ensuite nos collègues ministres qui nous accompagnent, et enfin le gouverneur Gentil Ngobila Mbaka pour avoir autorisé la tenue de ces meetings populaires et qui a droit à nos applaudissements, surtout pour ces visant à revêtir Kinshasa de sa belle robe d'antan, de Kin la belle et non la poubelle. Cela en vue d'accompagner la vision de l'État. Le deuxième point est celui de... ...de mérite... pour ces multiples réalisations. Appui. De la couverture sanitaire universelle et... En mars 2022, les infirmiers de l'hôpital continent vont mener une grande réflexion sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Les ambitions de la couverture d'accéder aux soins et services de qualité à un coût abordable. Des infirmiers de la République démocratique du Congo que la couverture sanitaire universelle n'est possible que si on donne les moyens nécessaires et conséquents aux infirmiers. L'objectif de la couverture sanitaire universelle est de veiller à ce que tous les individus aient accès aux services de santé dont ils ont besoin, prévention, promotion de la santé, traitement, rééducation et soins palliatifs. Pour la ministre de la Santé, la couverture sanitaire universelle n'est pas un choix, mais un devoir et une priorité selon la vision du chef de l'État. Comme l'a si bien dit le président de la République, mettra tous les moyens en jeu pour que les travailleurs de santé et particulièrement les infirmières et infirmiers puissent voir leurs conditions de travail et de vie suffisamment améliorées. Toutes les recommandations qui sortiront de ces travaux seront consignées dans un document qui servira à l'avenir de référence à tous les infirmiers. Il faut noter que la tenue du rendez-vous de Kinshasa a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement américain ICAP. Le troisième congrès ordinaire du syndicat national des médecins SINAMED en sigle s'est clôturé ce lundi après 3 jours des travaux scientifiques. Parmi les recommandations, il y a l'installation du nouveau bureau du SINAMED. Un reportage de Rondé Panda. L'élection du nouveau bureau du SINAMED, syndicat national des médecins, reste l'une des grandes retombées de ce troisième congrès du SINAMED qui s'est clôturé ce samedi 26 février 2022. Le professeur docteur Senga John et son équipe remplacent le bureau sortant du secrétaire général national dirigé par le docteur Mankoy Badjoki, tandis que le docteur Bedo Balebela vient de succéder au docteur Fabien Sokoum à la Commission nationale de contrôle et vérification CONACOV. C'est dans la salle du trentenaire au siège du SINAMED que le docteur Mankoy Badjoki a remis les insignes du pouvoir à son successeur,
le professeur John Senga, dit nouveau secrétaire général devant tous les congressistes. Je voudrais depuis ma mort rendre grâce à notre Seigneur qui a permis que nous puissions aboutir au changement de l'équipe dirigeante du SINAMED au niveau national. Les préoccupations des uns et des autres sont connues et ont été transmises au bureau national à travers le congrès. Nous allons donc, ensemble avec vous, faire tout ce qui est à nos possibilités pour que les solutions petites soient-elles, soient trouvées pour les biens des syndiqués. Nous avons été élus pour cela et nous allons battre pour cela. Si vous avez c'est justement pour que nos syndiqués retrouvent quelque part un sourire qui a été perdu. Tout est bien qui finit bien. Durant un jour de travaux intenses au centre en Ganda, les préoccupations de tous les bureaux provinciaux et préoccupations soulevées. Une suite favorable a été réservée aux préoccupations soulevées par tous les bureaux provinciaux. Une matinée d'échange a eu lieu le week-end dernier entre les hommes de science. Suivez ce reportage. Les services de chirurgie de la clinique Ngaliema, très appréciés dans la praticabilité d'accueillir aux patients tard de guérir. Le bon encadrement de jeunes médecins et infirmiers par leurs maîtres et aînés dans la profession, les services de chaque acteur du service de chirurgie pour le bien-être de patients sont entre autres le point positif de cette appréciation. Plusieurs responsables de cet hôpital, notamment le médecin directeur et d'autres maîtres, se sont retrouvés dans la commune de la Gombe pour des échanges scientifiques et professionnels. Cette soirée est à la fois une rencontre de renforcement des capacités au service de la chirurgie. Le docteur Jeff Ntalaja, chef de service adjoint, a circonscrit le mobile de cette rencontre qui tient à exceller dans l'amélioration de leurs prestations d'unité de service, échanger et encourager ceux qui se distinguent. Des cadeaux ont été remis aux maîtres et aînés. Précision du docteur Mouteba. Nous, on nous a formés. Ce que je sais, ce que je connais aujourd'hui, ce n'est pas une science infuse, c'est quelqu'un qui a eu un qui se sont donné la peine de me donner, de me transmettre leur savoir. Et il est de notre devoir aussi de faire de même pour les jeunes générations, pour les gens qui sont à côté de nous. Tous les participants ont souhaité que de telles initiatives se pérennisent pour l'unité et le renforcement des liens entre médecins de clinique Ngaliema. L'Union pour la nation congolaise affûte déjà ses armes pour les échéances électorales de 2023. Le secrétaire politique national a présidé hier dimanche la cérémonie d'adhésion de plus de 1000 membres qui ont reçu leur carte biométrique des membres du parti. Un reportage de Janine Kalinga et Jean-René Kabamba. Les élections ne se préparent pas la veille. L'Union pour la nation congolaise, UNC, qui tient à rafler plusieurs sièges à tous les niveaux, met toutes ses batteries en marche pour élargir son cercle. La sensibilisation, l'appel à l'adhésion massive à l'UNC, c'est le message du secrétaire national politique Patrick Kawara partout où il passe. Il multiplie des descentes dans des différentes fédérations pour cette cause noble. À l'interfédérale de la Lukunga, ce dimanche 27 février 2022, Patrick Kawara a mobilisé plusieurs personnes. Devant quelques membres du parti, en l'occurrence Madame Safia Kandolo, Patrick Kawara a présidé l'adhésion des plus de 1000 personnes qui ont reçu leur carte biométrique de membre. Vous savez, l'UNC, c'est un parti qui vit. Nous sommes en train de redynamiser le parti, particulièrement dans le district de Lukunga. Tous ces gens que vous voyez ici, cette foule, nous avons organisé aujourd'hui une adhésion massive de nos membres. Et voilà, c'est ce qui explique qu'il y ait beaucoup de gens qui sont ici. Ça, c'est l'événement que moi, j'ai organisé, Patrick Kawara, comme secrétaire politique national de l'UNC. Si vous pouvez voir l'engouement ici au siège, nous avons plus de 1000 nouveaux abonnés à l'UNC en ce jour, dimanche 27 février. L'Union pour la nation congolaise reste membre de l'Union sacrée de la nation, a conclu Patrick Kawara, secrétaire politique national de l'UNC. Une conférence sur le développement intégral a été organisée ici à Kinshasa pour les jeunes. L'occasion était pour les organisateurs de sensibiliser la jeunesse à venir sur le patriotisme et l'unité nationale. Reportage.
L'ADC et le développement, thème de la conférence organisée par la dynamique Séraphine Kiloubou d'ESCA, une structure que chapeaute la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, dont les élections et le développement se trouvent être le sous-thème. Le coordonnateur national de la DESCA, Trésor Kibachi, a d'autres de jeu, fait savoir que seul le travail pourra faire développer la RDC. L'idée, c'était de pouvoir faire une ligne de démarcation. Parce qu'il y a plus de 60 ans passés, des jeunes comme nous, ils ont eu à travailler pour que nous puissions avoir notre liberté. Et après 62 ans, nous jeunes, nous sommes censés transcender les partis politiques, transcender les personnalités, pour que nous puissions réfléchir ensemble s'agissant de notre devenir commun ou de notre développement. Pour lui, nous devons nous focaliser sur l'entrepreneuriat de jeunes pour permettre à chaque Congolais de contribuer au tissu économique du pays. Cette structure place l'homme au centre de toute activité. Mais seulement, cet être cher doit être intègre, a-t-il fait savoir. Clovis Kabeya, coordonnateur de la DESCA Paris, a pour sa part interpellé les jeunes. Nous devons travailler sur la personne. Parce que pour développer les pays, il faut d'abord passer sur une cible, sur la personne. Si la personne a bien compris qu'elle doit travailler, elle doit s'améliorer, et bien tout ce qu'on va faire après va permettre à ce que le pays développe. Un autre temps fort, il s'agit du lancement du caucus de jeunes de la DESCA. Cette conférence a connu la participation des membres de la DESCA Paris et des différentes provinces. Le président du Conseil national de la jeunesse a organisé une tribune d'expression populaire au musée national de Kinshasa, ce après 17 jours de consultation nationale avec les jeunes. William Mukambila se veut proche des jeunes. À cet effet, une feuille de route a été élaborée. Oscar Mbal, Diane Balaka. Sous un soleil de plomb, les leaders de jeunes de toutes tendances confondues ont répondu massivement à l'appel du président national de la jeunesse congolaise William Mukambila, vêtu en blanc. Chacun est venu soutenir son cahier des charges déposé lors de ses assises et ses consultations ont pour objectif récolter des avis et considérations de jeunes afin d'élaborer un plan national de la jeunesse congolaise à remettre au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me porte garant d'apporter sur la table des décideurs, de maintenant et à jamais, ce grand combat qui exprime en même temps vos besoins en termes de desiderata, mais cette fois-ci, nous leur amenons également des propositions, car la cause et le développement du pays nous concernent tous. Aujourd'hui, nous sommes en blanc. C'est un message que nous avons laissé passer pour dire que le Congo n'a point de couleur. Il n'y a pas un Congo pour les Mongala, il n'y a pas un Congo pour les Mouswahili, il n'y a pas un Congo pour les Moulouba, il n'y a pas un Congo pour les Mukongo, il y a un Congo pour tous. Au total, 1500 associations, mouvements de jeunes, plusieurs personnalités et leaders de jeunes, toutes tendances confondues, ont passé tour à tour au siège du Conseil national de la jeunesse congolaise pour être consultés selon leur thématique. Cette tribune d'expression populaire est organisée pour une restitution avant l'étape des provinces. L'accès à l'eau potable. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour desservir en eau potable les populations de la commune urbano-rurale de Maluku. Il vient de mettre en service un réseau d'adduction d'eau potable dans le cadre du projet PILAEP 1, 2 plutôt, qui est à sa fin. Le PILAEP 3 sera financé prochainement. Émilie Kaindo, Hermès Mangado pour le reportage. Fini des longues distances pour les femmes, jeunes filles et des enfants, en partie ouest, est et sud des communes urbano-rurales de la ville-province Kinshasa. Le projet PILAEP 2 a donné à ces populations 23 réseaux d'addiction d'eau potable. Je dirais d'abord, c'est inviter, exhorter la population de se servir de ce réseau, d'utiliser l'eau, mais qu'également qu'ils puissent s'assurer que la gestion et l'entretien effectivement de ce service soient faits de manière correcte, pour que non seulement effectivement ce service puisse être pérenne, mais que ce service puisse générer effectivement des recettes pour pouvoir réaliser d'autres équipements et des équipements que ces communautés voudront. Ce projet lancé conjointement par le gouvernement congolais et français a permis de créer au moins 1000 emplois et désormais plus d'un million d'habitants vont avoir accès à l'eau potable et lutter ainsi contre les maladies d'origine hydrique.
Nous devons être fiers de ces modèles de développement ou de coopération qui en appellent à un comportement humain, beaucoup plus, à cet homme qui est mis au centre de tous les investissements qui sont réalisés. Qui aussi démontrent que si on leur fait confiance, le pays peut dormir et s'occuper des autres quartiers où il n'y a pas de l'eau. Il leur appartient de le faire. Et je demande à ceux qui ont l'habitude d'interférer dans la gestion des associations de se mettre très loin, de laisser l'association fonctionner sans interférence. À noter que la population locale reste celle gestionnaire de ces AZUREP. Elle salue ces bons du gouvernement et a promis d'en faire bon usage. Les projets PILAEP 1, 2 et 3 viennent matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, et d'Emmanuel Macron sur la mise en place du projet de développement durable en République démocratique du Congo. Les travailleurs sociaux ont suivi une formation en intervention criminologique durant 3 mois pour le renforcement de leurs capacités en vue d'un bon encadrement des personnes stigmatisées telles que les enfants en conflit familial, les prostituées et autres. Des certificats ont été remis aux participants. Un reportage de Rodépanda. Les personnes marginalisées de la société, prostituées, enfants en rupture familiale, la catégorie des civiques appelés Kuluna mérite un bon encadrement et une bonne prise en charge sociale pour leur réinsertion réussie. Il faut donc des acteurs sociaux bien formés qui doivent assurer ces services. C'est à cette fin que le Centre de criminologie et pathologie sociale, CCPS, rattaché à l'école de criminologie de l'UQIN, a organisé une deuxième session de séminaire de formation sur l'intervention criminologique à l'intention des intervenants sociaux et judiciaires venus de 12 différentes structures sociales. Cette formation est une activité des collectivités qui va permettre à l'Université de Kinshasa de réaliser une de ses missions régaliennes, apporter des solutions sociales en plus de la recherche et la formation des cadres, mais surtout réaliser une intervention criminologique auprès des personnes stigmatisées. Précision du professeur Raoul Kienge-Kienge est directeur de l'école de criminologie. Nous avons reconnu les compétences qu'ont acquises les personnes qui ont suivi le séminaire d'intervention criminologique pendant 3 mois. Ce sont des personnes qui interviennent dans la société auprès des personnes en situation difficile. Le secrétaire général à la recherche, l'UNIKIN, le professeur Antoine Chimpi, rappelle la valeur de cette formation. Dans les stages qu'ils ont effectués après leur formation de base, il y a des séminaristes, des gens en séminaire qui ont réussi à aider les gens à sortir de l'état dans lequel ils étaient. Et les mêmes personnes qui ont, vécu ces expériences, certaines, se sont décidées pour aider d'autres qui ont laissé derrière eux. C'est magnifique. Après 3 mois de formation, soit d'octobre à décembre 2021, avec comme module les notions et principes de l'intervention criminologique, une cérémonie a été organisée pour la remise des certificats en intervention criminologique. La CBECO se lance dans l'autorité pour son développement. C'est le thème du mois de février dédié aux activités de la communauté baptiste au Congo. Une occasion pour le représentant légal et secrétaire général de cette communauté de sensibiliser ses fidèles au travail. Sylvie Mouno pour le reportage. Pour l'édition 2022 de la célébration annuelle de ses activités, la communauté baptiste au Congo a choisi de sensibiliser ses membres sous le thème « La CBECO se lance dans le travail pour son développement ». Avec déjà un bilan positif de 2500 écoles construites, des hôpitaux sont et des actions humanitaires, le secrétaire général représentant légal de la CBECO, Anderson Mouimbou, s'est saisi de l'occasion pour sensibiliser les fidèles de la CBECO à plus d'ardeur au travail. Ce mois, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur le travail. Et nous avons sillonné presque partout pour sensibiliser nos membres afin qu'ils puissent se mettre au travail, afin que cette communauté puisse booster, puisse aller encore de l'avant. Coïncidant avec le 144e anniversaire de la 155e communauté baptiste au Congo, le secrétaire général adjoint de la CBECO a livré des tableaux reprenant les difficultés auxquelles l'Église est confrontée.
La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est le problème foncier. Parce que lorsque les missionnaires sont venus, ils avaient traité avec les chefs coutumiers de l'époque et ils ont négocié des terrains. Aujourd'hui, ils viennent avec une nouvelle loi coutumière que les missionnaires n'avaient pas connue. Alors, ils vendent même les écoles et ceux qui doivent nous défendre, ils sont même propriétaires dans ces mêmes terrains. Alors, c'est ça notre plus grande difficulté que nous crions aux autorités de l'État. Fallait-il passer une telle journée sans faire la moindre allusion au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes de soutien à sa vision sur la reconstruction du pays? Et puis ce message de remerciement pour boucler ce journal. La grande famille Kimasi Matuiku Basaoula remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont témoigné de près ou de loin de la compassion à l'occasion des obsèques de sa regrettée mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Toumba Panzoussi, alias Kanka Lucie, la sainte mère biologique de feu François Kimasi, ambassadeur et président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central, que les personnes concernées trouvent à travers ce message l'expression de sa profonde reconnaissance. C'est un communiqué signé Nicole Dimbabou Mbouanga. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Jojo Ndibou revient à 20h sur ce plateau pour la grande édition du journal télévisé. Au revoir.